nous sommes de retour à Distraction. Plus que trois joueurs en jeu avec nous, Catherine, Guillaume et Jonathan. Pour le prochain jeu, on va vous savonner un peu. Je devrais dire, en fait, qu'on va vous savonner les dents un petit peu. Messieurs, écarteurs, s'il vous plaît. Alors, prenez-en un. Merci énormément. Ah, merci. Et Guillaume, avant que tu t'avances, ça va dans la bouche. Okay. Ouais, c'est ça. C'est un écarteur de bouche, alors je vous invite maintenant à le porter. Oui, faites comme Jonathan, il a compris. C'est ça, la reine. Attends. Un sacquet là, comme ça. Ah! Ça vous va. Alors maintenant, messieurs, qu'on dévoile la machine. OK. Alors, c'est simple, on va vous savonner la bouche un petit peu. Pendant la période de questions, vous appuyez sur le buzzer et vous attendez que je vous nomme avant de répondre. Cependant, les belles petites machines que vous avez devant vous vont vous propulser des bulles de savon directement dans la bouche. Mm-hmm. Alors, messieurs, qu'on active les machines. Wow! Alors, vous êtes prêts? C'est parti! La prochaine série de questions porte sur les noms des habitants d'une ville ou d'un pays. Comment appelle-t-on les habitants de Paris? Oui, Guillaume. Les Parisiens. Bravo! Quel nom portent les habitants de la ville de Québec? Guillaume. Les Québécois. Bravo! Comment appelle-t-on les habitants du Zimbabwe? Jonathan. Les Zimbabwéens. Pardon? Les Zimbabwéens. C'est une excellente réponse. Tu peux ouvrir tes yeux. Vous êtes souriant, j'aime ça. Quelle ville habitent les Amossois ou les Amossoises? Jonathan. Amos. C'est une bonne réponse, bravo. Quel nom portent les habitants de la Terre? Oui, Jonathan. Les Terriens. C'est une bonne réponse. Dans quelle ville habitent les Lavallois? Jonathan. Laval. Bravo. Comment appelle-t-on les habitants du Venezuela? Guillaume. Les Vénézuéliens. Bravo. La bouche ouverte maintenant. Plus le droit d'avoir les dents fermées. Ouais. comment appelle-t-on les habitants de la République tchèque? Jonathan. Les Tchèques. C'est une bonne réponse. Plus grand à la bouche. Adrien. Ah, avec Caribelda. Comment appelle-t-on les habitants de la Beauce? Jonathan. Les Beaucerons. C'est une bonne réponse. Comment appelle-t-on les habitants d'Angleterre? Jonathan. Les Anglais. Bonne réponse. Comment appelle-t-on les habitants de l'Abitibi? Jonathan. Les Abitibiens. Les Abitibiens, bonne réponse. C'est ça.